Salut, c'est Boisdin. Aujourd'hui, un petit peu comme la vidéo sur Fillon avec des fions, je vais vous apprendre à dessiner Trump à partir d'une plaque d'égout. Voilà, elle est magnifique, elle est ronde, il faut qu'elle soit ronde, ça c'est important. Pourquoi une plaque d'égout, je ne sais pas, n'y voyez aucune malice, hein. Tirez-en les conclusions que vous voulez, voilà, c'est tout. Donc, j'ai choisi cette plaque d'égout parce qu'il y a déjà les petits yeux, voilà, je l'ai fait. Puis, au milieu, c'est le plus important, la bouche. Voilà, ça c'est vraiment le plus important, la bouche ronde hein, en train de gueuler. Faites des dents bien dégueulasses, une petite langue, vous remplissez tout ça. Et bien sûr, on n'oublie pas les lèvres en haut et en bas. Pour le menton, voilà, c'est Trump, hein, il a un triple voire quadruple menton, n'hésitez pas, voilà, faites plein de mentons. Les oreilles, les petites oreilles sur les côtés, bien sur, sur les bords. Et des grands lobes d'oreilles, hein, parce qu'il est vieux et ça grandit, c'est comme le nez, voilà, etc. À gauche, vous faites un petit triangle et vous reliez ce petit triangle à droite avec l'oreille de droite, voilà, et vous faites sa grande mèche, voilà, trois grandes mèches, voilà, n'hésitez pas, il faut que ce soit grand, et vous faites un petit peu comme Fillon, hop, vous finissez par le petit cul, et après vous rajoutez les quelques poils de cheveux dans la raie qu'il a, hein, parce que sa mèche est composée de à peine une dizaine de cheveux, puis pour le menton, un menton bien dégueulasse, hein, vous voyez là que je l'ai fait pas très net. Et après, on rajoute, bien sûr, les détails, hein, les sourcils, les petites rides, etc. Voilà, là, je commence à rajouter les détails pour les experts, hein, toujours. Des petites boursouflures sous les yeux, et n'hésitez pas à mettre des cernes, voilà, et des rides. Bon, à gauche, j'ai essayé de les mettre, voilà, non, je les ai enlevés, parce que avec les petits poils que j'ai fait à gauche, ça va pas. Et on enlève la plaque d'égout. Voilà, vous avez votre Trump, il est magnifique. Et en bonus, voilà, je vous le colorise. Prenez pour les cheveux un jaune bien pisse, voilà, bien pipi. Il aime beaucoup ça, Trump, le jaune pipi. Voilà, vous voyez, c'est transcendant, attention. Et pour la peau, bien sûr, un joli orange par rapport à son fond de teint, hein, qu'il aime tant et qu'il applique avec énormément de talent. Il devrait faire une chaîne YouTube de make-up, ça lui irait vachement bien. Bon, une fois que c'est fini, on finit avec les détails, la langue, les dents, pas trop jaunes, là j'ai exagéré au début. Voilà, voilà, là j'ai mis un jaune très 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 léger. Et parce que je suis sympa, voilà, je vous rajoute les ombres, ça c'est bonus, ça c'est cadeau. Vous n'êtes pas obligé de le faire, attention, ça c'est réservé vraiment aux experts, donc sur la peau, sur les cheveux. Je vais mettre un petit peu de couleur, voilà, en dessous sur les rides et dans les pliures, les plissures de double menton. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de partager, de liker et manger des frites. Et comme dirait Trump, it's my favorite food and these are the best.